Nous avons déjà travaillé avec l'interface ligne de commande, la CLI de Docker, pour travailler avec les images et les containers. Si on va regarder la documentation de Docker, on se rend compte qu'au travers de cette interface, on a accès à énormément de commandes. Il y a à peu près 80 commandes différentes et chaque version de Docker rajoute des commandes supplémentaires. Pour des débutants, ça peut être un peu difficile de s'y retrouver et de savoir quelles sont les commandes qui sont les plus importantes et les plus utiles. L'objectif de cette vidéo, c'est de mettre en évidence 10 commandes, les 10 commandes les plus utiles quand on commence à travailler avec Docker. 5 de ces commandes concernent les containers, 3 de ces commandes concernent les images, et finalement, 2 commandes sont utilisées pour obtenir des informations sur le système. Nous allons commencer par passer en revue ces commandes relativement rapidement, et nous allons ensuite passer dans un terminal pour faire quelques manipulations et voir ces commandes en action. Commençons par regarder les commandes qui sont utiles pour travailler avec les containers. La première commande, c'est Docker Run. Docker Run est la commande que je vais utiliser pour, à partir d'une image, exécuter, démarrer un container. Si j'exécute Docker Run 3 fois, je vais avoir créé 3 containers. Au minimum, quand j'utilise Docker Run, je vais passer le nom d'une image. C'est le nom de l'image que je veux instancier. Je peux également passer d'autres paramètres, d'autres flags. Un flag qu'on utilise régulièrement, c'est le flag -p pour pouvoir faire du port mapping. C'est ce qu'on va utiliser si on veut donner accès réseau à notre container depuis l'extérieur du Dockerhost. Le flag -t qu'on utilise en combinaison avec un argument supplémentaire sur la ligne de commande qui va être le chemin d'accès sur un shell. C'est un flag un peu particulier qui va me permettre de démarrer un nouveau container et d'obtenir une invite de commande à l'intérieur de ce container. C'est surtout une commande qu'on utilise quand on veut débugger ces containers ou quand on est en train de construire une image et qu'on veut vérifier ce qui se trouve à l'intérieur du file system. La troisième commande est un petit peu similaire, Docker exec. Dans ce cas-là, je ne vais pas démarrer un nouveau container, mais je vais exécuter une commande à l'intérieur d'un container qui est déjà en exécution. Quand j'utilise Docker exec, je vais lui donner l'identifiant d'un container. C'est le container à l'intérieur duquel j'ai envie d'exécuter la commande. Très souvent, la commande qu'on va exécuter, c'est un shell, comme binsh, binbash, et je vais utiliser ça en combinaison avec le flag -t. Quand on commence à utiliser Docker, c'est souvent un peu difficile de faire la différence entre Docker Run et Docker Exec, surtout si on utilise le flag -t. C'est important de bien comprendre cette différence. Docker Run, je démarre un nouveau container, et éventuellement je vais regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Docker Exec, je vais à l'intérieur d'un container qui est déjà en exécution. La troisième commande, c'est une commande qui est très simple, c'est Docker PS. C'est la commande qui va me permettre d'obtenir la liste de tous les containers qui sont en exécution sur mon système. Je vais recevoir des informations de base comme le nom du container, son identifiant, le nom de l'image qui a été utilisée comme base et des informations réseau. Si je passe le flag -a, je vais avoir la liste de tous les containers qui sont en exécution, mais aussi ceux qui étaient en exécution dans le passé et qui ont été arrêtés ou tués. Docker kill, comme son nom l'indique, c'est une commande que je vais utiliser pour stopper l'exécution d'un container. Sur des systèmes Unix, on est familier avec la commande kill, qui permet de tuer un processus. Mais avec Docker kill, je vais stopper l'exécution d'un container. Le container va rester dans l'espace de stockage de Docker, et donc si je fais un Docker PS -a, je vais voir le container que je viens de tuer. Finalement, la dernière commande qui est utile pour travailler avec la container, c'est Docker RM. Docker RM, c'est une commande que je vais utiliser de temps en temps pour faire du nettoyage. Si j'ai créé beaucoup de containers, si ces containers sont morts, si je les ai tués, ils vont continuer à consommer de l'espace disque. Avec Docker RM, je vais pouvoir nettoyer et demander à Docker de les supprimer de mon disque. Regardons maintenant 3 commandes qui sont utilisées pour travailler avec les images.
Docker build, c'est la commande que je vais utiliser pour, à partir d'un Dockerfile, cette recette de cuisine qui décrit toutes les commandes qui doivent être exécutées pour créer une image, eh bien, Docker build, à partir de ce Dockerfile, va me permettre de créer une image sur ma machine. Après avoir fait un Docker build, je vais pouvoir faire des Docker run pour l'instancier sous la forme de container. Docker images est une commande que je vais utiliser pour obtenir la liste de toutes les images qui sont disponibles sur ma machine. Il peut s'agir soit d'images que j'ai construites moi-même avec Docker build, soit d'images que j'ai obtenues d'un registry comme Docker Hub. Finalement, la troisième commande, Docker RMI, qui ressemble à Docker RM qu'on avait vu avant, qui était utilisé pour supprimer des conteneurs, eh bien Docker RMI, c'est une commande que je vais pouvoir utiliser pour supprimer localement une image. C'est une commande qui est assez utile quand on travaille avec Docker, qu'on fait beaucoup de tests. Les images ont tendance à s'accumuler sur notre système de fichiers. Ces images peuvent être très volumineuses et c'est assez fréquent d'avoir des problèmes de consommation d'espace. Donc avec Docker RMI, je vais pouvoir dire cette image, je n'en ai plus besoin. Je vais demander au Docker Engine de la supprimer, de faire la place sur mon disque. Regardons maintenant deux commandes très pratiques qui sont utilisées pour obtenir des informations du système. Quand j'utilise la commande Docker Run et que je passe le flag -d, je demande au système de démarrer le container en arrière-plan. Donc le système va me rendre l'invite de commande immédiatement. Si j'ai envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon container, si j'ai envie de savoir quels sont les messages qui sont générés par le service que j'ai packagé dans mon image Docker, je vais pouvoir utiliser la commande Docker Logs. Docker Logs, en spécifiant l'identifiant d'un container, va me permettre de récupérer tous les messages qui sont envoyés vers la sortie standard par le service que j'ai instancié. Donc si j'ai une application Java qui fait des system.out.println, en faisant un Docker log sur le container qui héberge cette application Java, je vais récupérer ces messages. Finalement, la dernière commande dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Docker Inspect. Docker Inspect, je vais pouvoir l'utiliser avec différents types d'objets Docker, des images, des containers et d'autres objets dont on parlera plus tard. Et si on utilise cette commande, on va recevoir en sortie un document JSON assez volumineux avec énormément de propriétés et d'attributs de l'objet qu'on a passé en paramètres. Une des choses qu'on peut faire, mais ça n'est qu'un exemple, c'est obtenir l'adresse IP qui a été attribuée au conteneur qu'on vient de démarrer. Donc une des choses qu'on peut faire très facilement, c'est utiliser Docker Inspect, l'identifiant du conteneur, et ensuite on va passer cette sortie à la commande grep pour extraire l'information. Il y a d'autres moyens, quand on utilise Docker Inspect, on peut aussi spécifier très précisément la propriété qui nous intéresse et Docker va nous retourner cette valeur de manière bien formatée. Maintenant que nous avons vu ces 10 commandes, nous allons passer dans une partie interactive et regarder comment on peut les utiliser dans un terminal. Alors, je suis ici dans deux terminaux, j'ai des fenêtres dans lesquelles on va pouvoir faire des manipulations. Avant qu'on passe aux commandes, une chose que je n'ai pas mentionnée avant, c'est que c'est possible de configurer Docker pour qu'il fasse de l'auto-completion, c'est-à-dire que vous allez commencer à taper les commandes sur la CLI, appuyer sur le caractère sur la touche Tab, et puis Docker va vous proposer des choix. Donc si je fais Docker Tab, on voit ici que Docker me propose la liste des commandes qui sont à disposition. Si je fais un Docker Run, Docker Run me propose ici 515 possibilités, c'est parce que j'ai 515 images à disposition sur mon système. Mais on verra plus tard que donc, en fonction du contexte, Docker va vous proposer des options. Si je passe -, je vais voir tous les flags, toutes les options que je peux passer à cette commande. Donc ce qu'on voit ici, c'est que de configurer cette completion automatique, ça va vraiment m'aider à découvrir ce que je peux faire au travers de la CLI, et c'est un excellent complément à la documentation. Tôt ou tard, on va se retrouver dans la documentation, on va lire les détails des commandes,
Mais quand on commence à utiliser ces commandes, ça vaut vraiment la peine. Alors, en fonction de votre système d'exploitation, cette completion automatique, elle est préconfigurée, vous n'avez rien besoin de faire pour que ça fonctionne. C'est le cas sur macOS, sur certains OS, et notamment sur pas mal de distributions Linux, vous avez une étape supplémentaire où vous devez le faire. Mais faites-le parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps, pas seulement quand vous allez apprendre à utiliser Docker, mais aussi quand vous allez travailler avec les images des conteneurs, parce que vous allez aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai mentionné avant le fait que avec chaque nouvelle version de Docker, on a de nouvelles commandes qui apparaissent au travers de la CLI. Ce qui est aussi vrai, c'est que la syntaxe ou les raccourcis apparaissent. Ce que j'ai présenté avant, c'est des commandes qui existent plus ou moins depuis le début. À un moment donné, Docker a rajouté une nouvelle façon d'accéder à ces commandes en fonction du type d'objet. Donc ça veut dire que j'ai présenté avant Docker Images pour afficher la liste des images. Si je fais Docker Image LS, ça sera un synonyme à cette commande. Donc, sachez juste qu'il y a différentes manières d'exécuter ces commandes. Et puis en fonction de la version de Docker que vous allez utiliser, puis de quand vous avez commencé à utiliser Docker, vous allez utiliser plus l'un que l'autre. Alors je passe dans le terminal. Je suis ici dans le dossier du repo qu'on avait déjà utilisé pour une autre vidéo où j'ai ce programme Java qui implémente un serveur TCP et qui est dockerisé. Donc j'ai mon Dockerfile. Vous souvenez qu'on partait d'une image Java, on installait Netcat, on copiait le point jar qui implémente notre serveur TCP, et puis au démarrage du container, on démarrait le container Java. Donc vous voyez qu'ici, il y a ce point jar qu'on copie à cet endroit dans le file system de l'image. On va aller vérifier si c'est bien le cas et on va utiliser les commandes dont on a parlé avant pour faire ça. Vous vous souvenez aussi qu'il y a ce script build image où d'abord je demande à Maven de construire mon exécutable Java et puis une fois que je l'ai à disposition, j'utilise la commande docker build pour créer mon image. Alors je vais juste réexécuter cette commande. On voit qu'ici, c'est allé vraiment très très vite parce que c'est pas la première fois que j'utilise la commande, c'est pas la première fois que je build cette image. Et Docker a tout un système de cache, comme je vois ici, ce qui lui permet de ne pas refaire des opérations qu'il a déjà fait. Donc là, mon image a été créée, elle a été taguée, donc elle a un nom. J'ai pas spécifié de version, donc par défaut, on a ce tag latest. C'est une bonne pratique d'utiliser des numéros de version, mais on introduira ça plus tard. Maintenant que j'ai mon image, je vais pouvoir démarrer des containers, mais on va déjà regarder quel est l'état du système, et pour faire ça, on va faire un docker ps. Je vais taper ça, donc on n'a aucun container qui est actuellement en exécution. Si je fais un docker ps-a, j'ai pas non plus de container qui était avant en exécution, qui aurait été stoppé, tué, et qui serait quelque part dans mon système. Pour le moment, au niveau des containers, je suis dans un état vierge. Par contre, si je fais un docker images, qui est une commande qu'on avait vue avant, on voit que sur mon système, j'ai pas mal de choses, évidemment, j'utilise beaucoup Docker. Si je fais un Docker images word count-l pour compter le nombre de lignes qui est retourné par la commande, donc le nombre d'images, vous voyez que j'ai 410 images à disposition. Je vais agrandir un peu la police, ce sera plus facile à suivre. Il y a une commande dont on n'a pas parlé avant, qui est docker system. Si j'utilise ça, vous voyez que j'ai différentes options. Prune, c'est ce qu'on peut utiliser pour faire du nettoyage. Dans la vidéo avant, je parlais de docker rm pour supprimer des containers, de docker rmi pour supprimer des images. Avec prune, on a une syntaxe équivalente pour le faire, c'est la syntaxe moderne. Df, c'est ce que je vais utiliser pour afficher l'espace disque qui est consommé par tous mes objets docker. Donc vous voyez que je consomme actuellement 75 gigas d'images. Par contre, 100% pourrait être récupéré. Pourquoi il pourrait être récupéré? Parce que j'ai aucun container qui utilise une de ces images. Donc à partir du moment où j'ai plus de container qui utilise une image, je pourrais la supprimer. On voit que j'ai aucun espace consommé par des containers. Ça correspond à ce que j'ai vu dans Docker PS. Et puis on a aussi 5 gigas qui est consommé par des volumes. Les volumes, on parlera ça plus tard, mais c'est une manière de persister des données au travers de plusieurs exécutions de containers. C'est un concept super important, mais on verra ça plus tard.
Alors, j'ai mon image à disposition. On va maintenant utiliser la commande docker run et la commande docker exec et on va revenir sur la différence entre les deux. Je vais d'abord faire un docker run sans rien spécifier. Je vais juste spécifier le nom de mon image. Donc, c'est teaching docker simple java server. Si je lance cette commande, on a démarré un container. Ce container a reçu cette adresse IP. Et puis, ces lignes qui sont affichées ici, c'est des lignes qui sont affichées par mon programme Java. Donc, mon programme Java fait des system.out.println. Si je viens sur cet autre terminal et que je fais un docker ps, on voit que j'ai bien un container en exécution. Il a été créé il y a 26 secondes. Il est up depuis 25 secondes. Si je fais un contrôle c, j'ai terminé mon container. Si je fais un docker ps, je vois que j'ai plus rien du tout. Par contre, si je fais un docker ps-a, là on voit que je retrouve le container que j'avais créé. Il avait été créé il y a 57 secondes, par contre il est en status exit, il a été terminé. On voit que le container s'appelle flamboyant6. Docker attribue ses noms de manière aléatoire. Donc si je fais un docker rel, vous voyez ici, j'appuie sur tab, il va me proposer les containers que j'ai à disposition, et il n'y en a qu'un, donc c'est très rapide, je n'ai même pas besoin de faire de copier-coller ou de me souvenir du nom. J'ai supprimé le container. Si je refais un docker ps-a, vous voyez que le container a disparu de la liste. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller explorer le système de fichiers de l'image et des containers. J'ai envie de savoir si mon image elle est construite correctement. Pour faire ça, je vais refaire un docker run, mais cette fois-ci, je vais le lancer avec le flag -it pour être en interactif et accrocher un terminal. Je redonne le nom de mon image, et cette fois-ci, je vais lui dire, ben, quand tu vas démarrer, au lieu d'utiliser la commande par défaut qui est dans le Dockerfile, tu vas exécuter cette commande ici, tu vas exécuter un shell. Ça veut dire que bin bash doit être dans l'image, il y a certaines images où bash n'est pas installé, donc des fois on doit utiliser bin sh au lieu de bin bash. Alors on voit que l'init de commande, elle a changé, je suis maintenant à l'intérieur du container. Et si vous vous souvenez, dans le Dockerfile, j'avais copié le fichier server.jar à l'intérieur. Donc, j'ai vérifié ici que le contenu du file system est bien conforme à ce que j'ai demandé dans ma recette de cuisine. Rien ne m'empêcherait ici de faire un java-jar server.jar, qui est ce que je demande normalement d'exécuter au démarrage du container. Et on voit ici, j'ai lancé depuis l'intérieur de mon container mon exécutable Java. Et puis il a affiché les mêmes messages qu'avant. Et on voit que l'adresse IP de ce container, c'est 172.17.0.2. On avait parlé avant d'une commande qui s'appelait docker inspect. Alors ça fait un peu beaucoup. Donc on va faire un docker ps pour afficher le nom des containers. On voit que j'ai ce container ici. Si je fais un docker inspect le nom de mon container, un inspect on peut le faire sur des images, sur des volumes, sur des réseaux, sur des containers. Donc là je le fais sur un container. Vous voyez qu'il y a plein de trucs super intéressants qui apparaissent. Ce qui m'intéresse c'est l'adresse IP. Donc ici je vais juste faire un grep-i sur IP addr. Et puis j'ai extrait l'adresse IP. Dans la présentation avant, on a vu une syntaxe où je peux lui passer un format et je peux récupérer juste la valeur 172.17.0.2, ce qui est souvent très pratique quand on écrit des scripts pour automatiser la gestion de l'infrastructure. Ici, je suis allé vite, donc j'ai fait un grep, ça allait très bien comme ça. Donc ici, je suis toujours dans mon container, je vais stopper. Je vais, depuis ce container ici, je vais faire un nouveau fichier. Donc je viens ici de créer un fichier hello.txt qui est vide, mais qui existe dans le file system de ce container. Je vais venir maintenant dans cette fenêtre. Je vais faire un docker run -it de la même image, ici. Et puis je vais relancer mon shell. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé un nouveau container. Donc, cette fenêtre ici est dans un container, d'ailleurs on voit que ça c'est l'identifiant du container, c'est différent de cet identifiant ici.
Et donc, si je viens dans /opt /app et que je regarde le contenu de ce dossier, je n'ai pas mon fichier hello.txt. Donc, ça montre bien que chaque fois que je démarre un conteneur, je vais me retrouver dans un état initial qui est celui de l'image. Ça, c'est vraiment important et souvent, on voit que quand on commence à utiliser Docker, c'est pas forcément quelque chose qui est très facile à comprendre. Donc, il n'y a pas de persistance des données par défaut. Chaque fois que je vais démarrer un conteneur, je vais me retrouver dans l'état, dans le snapshot de l'image. Donc ici, j'ai deux conteneurs différents, avec des systèmes de fichiers différents, et je n'ai pas de correspondance. Je ressors de mon conteneur, j'affiche mes conteneurs. Donc vous voyez ici, chaque conteneur a un hash, un identifiant, et un nom qui peut être spécifié par l'utilisateur ou qui va être généré automatiquement par Docker si on ne l'a pas, si on l'a pas spécifié. Et vous voyez que cette valeur ici, ça correspond à cette valeur ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est pas faire un docker run, mais je vais faire un docker exec où je vais lui donner le nom de mon terminal, je vais lui dire que je vais aussi exécuter un bash, et vous voyez que cette fois-ci, je suis à l'intérieur du container qui est ici. Et ça veut dire que si je viens dans mon dossier, ah, cette fois-ci, je vois mon fichier. Si je fais un touch coucou.txt, si je fais un affichage ici, je l'ai créé. Si je fais un ls ici, on voit que le fichier il existe bien. Donc dans ce cas-là, dans la fenêtre d'en haut, j'ai fait un docker run, j'ai créé le container, il existe. Et dans la fenêtre du bas, avec docker exec, je me suis branché, je me suis connecté sur le container existant. Donc docker run-it, docker exec-it, c'est pas des choses qu'on utilise forcément très très souvent, c'est des choses qu'on utilise pour aller inspecter des choses quand on est en train de construire une image, qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu et qu'on veut comprendre, qu'on veut aller regarder l'état du file system. Mais la philosophie de Docker, c'est de dire que les containers, ils peuvent avoir des durées de vie relativement courtes, et s'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans un container, s'il meurt, on le met à la poubelle, et on recrée un nouveau container depuis l'image. Donc il ne faut pas travailler dans un mode où on va aller dans des containers, exécuter des scripts pour installer des choses et se dire que notre container va vivre et va évoluer. Non, on repart toujours du snapshot, ce qui permet d'avoir le Dockerfile dans Git et d'avoir une traçabilité sur l'état de nos environnements d'exécution. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super, super important. Donc, si on regarde, on a vu Docker Run et Docker Exec, on a vu Docker PS, Docker Kill, c'est assez simple à utiliser, hein, on peut lui donner l'adresse. La dernière chose que je vais montrer, c'est Docker Logs. Donc, on va revenir ici. Je vais faire un Docker Run, et cette fois-ci, je vais passer le flag -d. Et en faisant ça, on voit que j'ai tout de suite l'init de commande, j'ai reçu l'identifiant qui a été attribué au nouveau conteneur. Je peux faire ça une deuxième fois, une troisième fois. Si je fais un docker ps, on voit que j'ai bien ces trois conteneurs qui sont en exécution. Et puis comme j'ai lancé ça en arrière-plan, j'ai pas vu ce qui était affiché. Donc ce qui était affiché par le process Java avec les systèmes.out.println, je le vois pas. Bien, avec docker logs, et il y a deux arguments qu'on utilise souvent, qui est follow, où on va rester branché sur le log, et on va ainsi continuer à suivre ce qui se passe. Et puis --tail, c'est pour lui dire le nombre de lignes qu'on veut afficher. Donc si je veux tout afficher, je vais lui dire affiche-moi les 1000 dernières lignes du log. Ensuite, on va lui donner le nom ou l'ID d'un container. Donc là, je vais prendre celui-ci. Et vous voyez que ça, c'est ce qui a été imprimé. Donc celui-ci est sur la 0.2. Si je fais la même chose, mais sur celui-ci, on voit qu'on est sur la 0.3. Et puis, si on vient sur celui-ci, on voit qu'on est sur la 0.4. Donc, j'ai ici mes containers, on voit ils ont tous été attribués. Ce que j'ai pas montré dans la démo, c'est l'utilisation du port mapping avec le -p. On verra ça, on a déjà vu ça dans une démonstration précédente. Je vais garder la démonstration pas trop longue, donc je ne vais pas faire ça ici. Mais on a vu ici les commandes principales. Donc vraiment, une des choses importantes à retenir, c'est cette différence entre Docker Exec et Docker Run.
qui sont des commandes très pratiques pour comprendre ce qui se passe, mais donc de se souvenir que chaque fois qu'on fait un Docker Run, on est dans un nouveau container et on se retrouve dans l'état initial défini dans l'image. Voilà. Alors je vais m'arrêter ici. On a vu ces premières manipulations. Faites la configuration de Docker pour avoir l'autocompletion. Lisez la doc pour approfondir ces commandes. Regardez les paramètres qui sont à disposition et faites des manipulations. C'est des choses qui doivent devenir des automatismes.